Donc on en est à Dafraf, de Ratachem, de Matsiat Kitout, Métiv Rav Hoshaya, donc ça va se transformer dans le contexte. De quoi on parlait? On avait vu juste avant l'histoire de Mitasek. Et on avait premièrement dit que dans Shabbat, Mitasek c'était pas tout, on avait fait poser des questions sur ça. En fait, on n'a pas dit que dans Shabbat, on a dit que dans Khelev et dans Haya, c'est Khayav. C'est Khayav, pourquoi? Parce que c'est pas l'action qui est interdite, c'est la Hana qui est interdite, il est né, même s'il est Mitasek. D'accord. Et on avait dit, par contre, il avait continué, je crois qu'il l'avait dit, et dans Shabbat c'est pas tout, parce que Melechet Marchev est la Torah. Et je crois qu'on avait essayé de poser plusieurs questions. Et la dernière question qu'on avait posée, c'était par rapport à notre Mishnah, où il y avait marqué la fameuse marque entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, sur celui qui avait l'intention de prendre des figues noires, il a pris des blanches, ou il a pris des choses qui sont de deux types différents. Et sur ça, on avait vu une marloquette, donc sous-entendu que c'était du même type. D'après tout le monde, c'était Khayav, même si tu avais l'intention de prendre cet arbre-là, et au final, tu as pris de l'autre arbre. Et donc, on voit que c'est Khayav, même si en réalité, lui, il avait l'intention de prendre autre chose, donc il était mis à sec. Et sur ça, la réponse de l'agma était de dire que le cas de. Il faut le comprendre dans le cas de Mishnah, dans ce qu'on appelait Avad Melaket Milibo. C'est-à-dire que le type, au départ, il avait l'intention de prendre des Anavim, par exemple, et après, il a oublié ce qu'il avait l'intention de prendre. Et il s'est dit, bah, tu sais quoi, je vais prendre des figues, et il s'est demandé, il a pris des Anavim. Donc il est revenu sur ça, on a vu après dans Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, que dans l'Anjeté Mini, il marquait Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, et dans Minechad, d'après tout le monde. Non, mais dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il est Khayav. Dans le cas-là, où il pensait prendre des raisins, il a oublié ce qu'il voulait prendre. Il a pris des filles, il a voulu prendre des filles, il a pris des cas, déjà, c'est un mythe à sec, mais qui, dans le côté, revient à sa première Kavana, on a dit que c'est bon. On avait dit que c'était une marque de c'est deux mini, mais si Minera, les coulamas, c'est pas rien. Ah bon, je crois j'ai compris. Dans la Mishnah, il a marqué que... J'ai compris que comme c'est ça, il revient à sa première marche Shabbat, même dans Chez Minim, c'est bon. Non. Oui, on l'a dit. Oui, dans Chez Minim, que... Non. Je te dis, c'est bon que d'après Rabbi Eliezer. On a expliqué la Mishnah dans ce cas-là. Donc dans notre Mishnah, on a bien fait une différence entre Shteminim et Minechad. Oui, que dans Shteminim, mais là, c'est un mitasek qui est un peu spécial parce qu'on revient à la première. C'est un mitasek, mais cette malade, enfin entre guillemets, de revenir faire le Shabbat. Donc dans ce cas-là, Rabbi Yoshua était quand même une différence entre Minechad et Shteminim. Est-ce que ça s'appelle dans la Khayav Marchevet ou pas? Parce que. Baka, Milkar, j'avais une Marchevet. D'accord. Alors maintenant, elle continue à poser des questions maintenant sur ce qu'on a dit hier. Mais Tiv Rav Hoshaya. Rabbi Shimon Chezuri, Rabbi Shimon Omrim, Lo Nichleku al Davar Shu Mishem Echad Shu Chayav. Alors, Ma Nichleku al Davar Shu Mishum Shme Shema. Chez Rabbi Eliezer Mechayav Chata, de Rabbi Yoshua Poter. Donc, ça, c'est le lachon de la Mishnah. Et Rabbi Yuda était en désaccord avec ça. On a vu que il y a eu tout d'abord Rabbi Shimon. Ouais. Tout d'abord, Rabbi Shimon Chezuri qui disait que voilà, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua est seulement sur Shte Minim, mais dans Minechad non. Et Rabbi Yuda, lui, il n'était pas d'accord avec ça. Rabbi Yuda, il venait derrière dans la Mishnah, il disait. Qu'est-ce qu'il disait sur la chaîne? C'était. Afinu Mitkaven et le code Teinim, il venait, il disait. Non, moi je suis pas d'accord, sous-entendu, là, il n'a pas dit je suis pas d'accord, mais il a dit. Moi, je te dis que dans le cas où il est Melaket Teinim, après il voulait être Melaket Teinim, il a été Melaket d'Anavim, ou alors l'inverse, ou des Foros des Manot. Je dis dans ce cas-là, marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Il y a priori, c'est la même chose, c'est deux minimes. Sur le cas d'avant, il a pensé, comment c'est possible de jeter Minechad? Non, mais Minechad, il n'y a pas de problème. Non, mais non, si c'est Minechad, si c'est Minechad, les coulées allemandes, c'est très grave. Mais oui, sur ce cas de où il a eu une marche à voie au début. Il voulait prendre de l'arbre de droite et après finalement. Non, je ne parle pas de ce cas, je parle qu'au début, il voulait prendre de l'arbre de droite. Après il a oublié ce qu'il voulait prendre. Ouais, après il a pris de l'arbre de gauche. Après il y avait l'arbre de gauche et l'arbre de droite devant lui, il dit bah, je vais prendre de l'arbre de gauche, après il met la main et finalement il prend l'arbre de droite. Il n'y a que dans un cas où c'est deux raisins blancs où ça marche bizarre. C'est Minechad. Alors justement avec moi on se pose la question d'après Rabbi Yuda qui en est d'accord avec Rabbi Shimon, Chezuri qui a priori est en train de nous dire que dans Minechad seulement. Enfin, que même dans Minechad, il y a une marque de Rabbi Yuda. Et que quand il y a deux espèces. Pour Rabbi Yehuda, ça sera bon. Que la marquette serait dans les deux cas, a priori. La marquette serait dans le cas de Rabbi Yehuda. Ça ne veut pas dire que dans le cas de Jeté Minim, d'après tout le monde, ce ne sera pas tout. Mais d'après tout le monde, ce sera rien, je veux dire. D'après Rabbi Shimon, si il peut être en Minechad, c'est qu'il peut être dans Jeté Minim. D'après Rabbi Shimon, ce qu'il a dit Rabbi Shimon, il a interprété la marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda de Jeté Minim. Khayav, quand est-ce qu'il était Khayav seulement dans
Minera dans le cas comme ça, donc c'est toujours c'est pas trop ok. Alors maintenant, Ragmar t'explique. Elle te dit, Rabbi Yehuda Maïkamar, qu'est-ce qui vient d'être en marloquette maintenant sur Rabbi Shimon, qui a priori ont l'air de dire la même chose les deux, puisque Rabbi Shimon il a dit que la marloquette elle est dans Shtei Minim, et Rabbi Yehuda il dit non, je suis pas d'accord, la marloquette elle est quand tu avais l'intention de prendre des Anavim et tu as pris des Teim. Anavim et Teim c'est aussi Shtei Minim. On a dit Maïkamar, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Maïkamar, des pliques bénites qu'avait dans la quête Anavim, mais les quêtes Anim, je crois que les quêtes Levanot. Anavim et Teim, je crois que tout le Vanot. Maïninou, Shtei Minim, Shtei Shemot. Quand tu parles de Anavim et de Teim ou de Shfourot et de Levanot, c'est aussi Shtei Shemot. Donc si c'est Shtei Shemot, Rabbi Yehuda, il fait rien d'autre que de répéter Paul de Rabbi Shimon. On a l'impression qu'il est en marloquette dans la Mishnah. Aïnou Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Chedouri, Rabbi Yehuda, Mayatal. Aïnou Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Chedouri. Il y avait Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Chedouri dans la Mishnah. Rabbi Yehuda, Mayatal, Mia Shimon, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Alors l'Agma te dit, il a lave mit asek kabinayus. Ce qu'on pourrait dire pour comprendre la seule façon de comprendre cette marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est de dire que la seule différence elle est mit asek. C'est quoi la différence dans c'est-à-dire mit asek, donc dans quel cas de figure ici? Les Rabbi Yehuda savent mit asek khayav, Rabbi Shimon ou Rabbi Shimon Chadouri, c'est vrai, mit asek, pas tout. Pourquoi on dirait comme ça? Parce que Rabbi Shimon, Rabbi. Attends, et Rabbi Yehuda c'est logique, parce que lui il pense que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité Rabbi Yehuda, il a vu que Rabbi Shimon il parlait d'un cas de. C'est-à-dire qu'en réalité que Rabbi Yehuda a entendu que Rabbi Shimon il parlait du cas comme on l'avait dit hier. Avad Melaket Milibo. Ça veut dire que il avait oublié, au début il avait écrit une chose, après il a oublié. Et, mais par contre dans Mitaseg, après tout le monde sait pas toi, parce que Mitaseg c'est tout calme. Et sur ça il vient Rabbi Yehuda et te dit non moi je suis pas d'accord avec toi, et je te dis que Mitaseg c'est pas tout, seulement Bishtei Minim. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Et donc tu vois bien qu'il y a une discussion c'est finalement sur même si je suis pas passé par ce cas où je. C'est-à-dire que toi tu me dis que le cas sur lequel il y a une marque entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, c'est le cas de Avad Melaket Milibo. Qui est un cas un petit peu un niveau au-dessus de Mitasek, parce que il est Mitasek, mais il revient sur son sur sa cavana de départ. Et lui te dit non, Mitasek, il te dit qui non, est Khalash. Lui te dit non, moi je considère que Mitasek c'est seulement avec Shtei Minim. Quand c'est Minéral, voilà, je suis un Marloket, et même si. Non, justement. Parce que Mitasek, même dans Shtei Minim, que il y a Marloket même dans Mitasek. Ouais. Mais quand la Marloket elle est dans Shtei Minim et dans Minéral. Non, la Marloket elle est dans Shtei Minim. Il y en a qui est pas tout, un petit qui est Khayab, et par contre, Minéral, tout le monde est comme Khayab. Ah, c'est Minéchal. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Parce que là, c'est le. Ce sens-là, c'est bon. Alors, maintenant, comment elle te dit. Oui, c'est le Ma. C'est le Ma. Bon, là, il y a des tonnes de. Et sur cette Ma. C'est en Youn, elle prend. Dans mon collège, il y a un groupe qui diffuse la figure de Vachon de Kaven. De Mitafek, ouais, ils font Mitafek en ce moment. Et ils m'ont dit que cette figure-là, ils ont pris. C'est deux semaines dessus. Donc ça, c'est pas... Bon, prochain film, on va essayer de comprendre le pshat de l'agma sans rentrer dans les complications. Maintenant, l'agma, elle te dit... On continue. Alors, des rabbi Yehuda Sava, mitasek chayav, rabbi Shimon Chedouri, savri, mitasek patou. Donc, c'est une question, c'est une toufta, entre guillemets, sur Shmuel, qui lui avait l'air de nous dire mitasek patou sans aucun problème, dans tous les cas, qui... Voilà, d'après lui, Rabbi, dans le cas de Minérad, c'est Khayab. Comme Khayab, exactement. Alors, lui te dit, l'Agma te dit. Lo, Mitasek, il va à Kol, pas tout. Mais je vais te changer un petit peu quand même. Même dans Minérad. Dans Mitasek, dans tous les cas, c'est pas tout. Et on est d'accord avec Shmuel que Mitasek, c'est toujours pas tout. Mais Akha, dans notre Mishnah, il faut la comprendre différemment, la Mishnah. Akha, Béakam, il flayait. Les Rabbi Shimon, chez Louis, Savar, Shachach, Melaket, Milibo. Bechem Echad ira kol chayav. Dans le cas de Me'abed Melaket Milibo, Avad Melaket Milibo ou Shachar Melaket Milibo, donc c'est la même chose. Bechem Echad, d'après tout le monde, c'est chayav. Parce que d'après Bechem Echad, c'est lui. Bechem Echad, c'est pas Minechad. C'est quoi Bechem Echad? C'est Minechad. C'est le même Anavim ou. Anavim blanc ou. Anavim blanc et Anavim chrot, c'est Shtei Minim. Shtei Shemot. Qui pliguait, puis Shtei Shemot. Il y a la requête entre. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils ont jeté chez moi. Et vient Rabbi Yehuda et te dit, et Rabbi Yehuda, ça va, l'Oshana Bechemecha, l'Oshana Bechete chez moi, pligué, il y a la marloquette. Ah, le problème sur cette marloquette-là, c'est que, sur cette partie-là, c'est que finalement Rabbi Yehuda, dans les mots, il a vraiment lui aussi parlé de Shfourot et Levanot. Donc en réalité, il te dit, quand il n'y a pas de Shfourot et Levanot, c'était pas pour te dire qu'ils sont en marloquette que dans Shtei Minim, parce que ça, c'est ce qu'il a dit aussi Rabbi Shimon. Mais en réalité, il t'a dit, Teni, Manavim, Shfourot et Levanot. Sous-entendu, c'est-à-dire, et Shtei Minim et Minechad. Ils sont tous dans ma roguette. Et Shtei Shemot, ils sont tous dans ma roguette.
Donc Rabbi Houda, en réalité, on parle toujours de Mehabed et Mehabed Milibo. En fait, mais on parle toujours de Mehabed Milibo. Mais Rabbi Houda, il est en désaccord avec Rabbi Shimon. Que dans ce cas-là, ils sont en désaccord ou dans tout Mitasek Mitasek, les Koulama, Pato, c'est ce qu'on a dit. D'accord. Pato. Et donc, ce qu'ils sont en désaccord, c'est juste le cas où il y a eu ce Halwid là. C'est le Mehabed Mekhet Milibo ou Beminechal finalement. D'après Rabbi Yoshua. Non, dans tout. Non, parce que Michel Minim, il dit qu'il y a une marque enquête, tout le monde dit qu'il y a une marque enquête. Non, d'accord, mais là, celui qui va être sur prison, il dit qu'il y a une marque enquête, il faut qu'il arrive dans avec des minérales ou jusqu'à Minim, ça change rien. La marque enquête Rabbi Yoda, Rabbi Shimon, elle. Mais au final, la Nafkamina, elle est que d'après Rabbi Yoshua, mais minérale. Parce que d'après Rabbi Yoda, c'est le Khayar, de toute façon, même dans jusqu'à Minim. Hein? D'après Rabbi Yoshua, on te disait, nous, d'après Rabbi Shimon, que minérale. Rabbi Yoda, Rabbi Yoshua. Et sur ça, il marque Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Dans quoi il sort marque Rabbi Yehuda, Rabbi Yehoshua. D'après Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehoshua, il sort marque Beshte Minim, aval lo Beminechad, parce que Beminechad est plus marquable. Et Rabbi Yehuda, il te dit non, il sort marque Ben Beshte Minim, Ben Beminechad. C'est-à-dire que même dans le Minechad, Rabbi Yehoshua, seulement dans le cas de. Mais Ben Makel Milibo. Mais dans le cas de Mitasek, il coule à ma pato, Minechad, Beshte Minim. Même d'après Rabbi Yehuda. Même d'après Rabbi Yehuda, ouais. Maintenant, moi, je te dis Rava. Rava Amar, Rava lui interprète différemment la marque, il dit l'ikadem. La différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est l'ikadem. Ça veut dire quoi hein? Il dit, imagine une personne qui veut faire un issur, ou deux issurim, elle veut faire deux choses. Elle veut faire deux actions, disons, pas forcément deux issurim. Et chaque action, d'accord, donc lui il avait un seda dans sa tête, de dire par exemple que je veux d'abord être madlik et après être mechabé. Deux issurim, disons qu'il avait un air d'alouk et un air kabou, il voulait allumer le kabou et éteindre le d'alouk. D'accord. Donc là, il avait un CDR dans sa tête et il a fait différent du CDR qu'il voulait faire. D'accord. Est-ce que dans ce cas-là, hein, le fait d'avoir fait, finalement, t'as eu un résultat, mais dans un CDR différent, tu voulais faire les deux. Est-ce que ça s'appelle Mélechet Marchevet? Est-ce qu'il y a un peu de mitatèque dans ce cas-là ou pas? Pourquoi? Parce que j'ai changé de CDR. Exactement. Donc il te dit que ça, c'est justement ça la marque entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Par contre, il te dit Rava Amar, l'Ikadem, Ikabinayou. Il te rapporte une preuve, Atania, c'est pas en Bélachon Koucha, c'est Bélachon Raya. Vatania, Ayoule Fanav Shtenero, tu te rapportes le cas où on a déjà vu cette notion-là, hein, de faire une différence entre si tu as changé de CDR ou pas. Ayoule Fanav Shtenero, si jamais il avait deux Nero devant lui, il y en a une qui sont. Alors, le premier cas c'est Dloukot, tout est Dloukot. Venikaven et Chabot, Elzou, Vikiba, Elzou. Alors là, il voulait droite, deux, il avait celle de gauche, ouais. Là, Adik Elzou, Vidik Elzou, ça c'est pas tout, ça c'est le cas de l'état sec aussi. Enfin, c'est pas le mitasek classique, c'est le mitasek un petit peu comme on a dit, notari rêve, c'est-à-dire que s'il voulait faire le sur A, il a fait le sur B. C'est Béchamé Kham en plus, hein, dans ce cas-là. Bon. Maintenant, les Hazik ou les Chabot? Donc ça va forcément d'après Rabbi Alors, d'après Shmuel, c'est tout le monde est poté dans ce cas-là. Parce que lui, il interprète Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, dans autre chose. Béchamé Kham. Dans Mehabet Shem. D'accord, mais d'après. Là, c'est Rabbi Eliezer, il est pas bon. Pourquoi? Parce que Béchamé Kham. Ce que je te dis, c'est que Rabbi, ce qu'on avait répondu jusqu'à maintenant, c'est de dire que la marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua n'était pas sur Mitasek. Parce que sur Mitasek, tout le monde dit que c'est pas toi. C'est seulement dans le cas particulier de Mehabed Makadiro. C'est seulement d'après Shmuel. C'est pour répondre Shmuel. Là, on est en train de répondre Shmuel. Donc là, il va faire les deux Averot, il vient être parti pour de tout. Parce qu'après, il va allumer celle qu'il voulait. Non, pour l'instant. Dans le premier cas, il voulait que de Mechabé 1, il a fait de Mechabé l'autre. D'accord. Après, on regarde le deuxième cas. Ou l'adlik 1, il a allumé l'autre. L'adlik Adzou, il dit Adzou, pas tout. Non, les adlik ou les chabot, mais s'il voulait lui être madlik et mechabé, dans ce cédar là. Ve kiba ve illik, il a fait le cédar inverse. Kiba, d'abord il a éteint. Ve illik, après il a allumé. Ben shima achat. En un seul souffle. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en une seule action. En une seule action, ça a entraîné les deux choses. Par exemple, il a soufflé pour éteindre l'un et tac, et la petite mage, elle a. Elle est partie allumer l'autre aussi. Alors là, on te dit que c'est chayav. Pourquoi? Parce que vu que c'est Beneshima Achat, donc finalement, Beneshima Achat, tu ne vas pas regarder lequel était avant et lequel était après. Tout était dans la même action. Par contre, si c'est Beneshimot, pas tout. Pourquoi? Parce que lui, il avait dans un certain CDR, il a fait un autre CDR. Donc on voit ici que le type, à partir du moment où tu as changé de CDR de ce que tu voulais faire, c'est pas tout. Donc c'est comme ça que. Même sur le CDR, c'est-à-dire. Même sur le CDR. Exactement, même sur le CDR. C'est un autre paramètre là qu'on a. C'est un autre paramètre qu'on n'avait pas encore jusqu'à maintenant. Rava, il vient avec ça, avec le travail. Il y avait sur l'action, il y a trois choses. Là, c'est un double. On te rajoute un paramètre en plus. C'est-à-dire que non seulement
il a pas fait ce qu'il voulait. Mais peut-être que on a vu avant, mais il avait oublié ce qu'il voulait faire au départ, mais il revient sur ce qu'il voulait faire. Ça fait une certaine façon. Là maintenant on voit une autre facette du truc, c'est que si jamais le type il arrive aussi au résultat final, mais pas dans le même ordre. Okay. Ah oui, donc pas dans le même ordre. Et là on l'a pas vu encore. Chaque action, si tu regardes chaque étape de son action, finalement c'était pas ce qu'il voulait faire maintenant, mais le résultat final c'est ce qu'il a voulu. D'accord. Et s'il avait voulu une autre bougie, il avait allumé une autre bougie, c'est le même cas qu'on a déjà vu avec les arbres, quoi. Si j'allume. Voilà, ça c'est le cas exactement. C'est le cas de Mutasek classique. Enfin, entre guillemets classique, c'est-à-dire Mutasek B Isura. Il voulait faire Isura numéro 1, il a fait Isura numéro 2. Voilà. Maintenant, la Gemara elle te dit. Alors viens, on continue. Pshita. Donc la Gemara dit que si jamais il voulait faire dans un certain ordre et qu'il a fait dans un autre ordre, c'est pas juste. A priori qu'il n'est pas tour celui-là parce qu'il n'a pas fait exactement ce qu'il voulait. Alors moi je te dis, ma loïta dit marchavte. Donc nous on aurait pu croire, il te dit, le chidouche il est. Enfin, la Gemara elle dit que c'est pas juste, mais finalement elle explique que non, Beneshima Achat, il y a quand même un chidouche de dire que c'est chayab. Parce que finalement c'est vrai qu'il a fait Beneshima Achat et c'est une seule action et qu'il arrive au même résultat avec une action qui est Beneshima Achat qui est fait en un seul acte. D'accord ? Mais au final, sa marchava n'a pas été mis de Kayemet. Lui, il avait l'impression de le faire dans un certain ordre. Et au final, il l'a fait différemment. Maud était mal, il avait une marchava, tu aurais pu croire que sa marchava ne s'est pas accomplie. Pourquoi ? Parce que tu es allé à l'Igme Karaba et il va sortir Chabot. Lui, il voulait d'abord allumer et après éteindre. Vechi Avad Maase. Lui, maintenant, quand il a fait son action là, il a d'abord été Kiba ou Bassof Idlik. Ava Amina, c'est pas tout, c'est Machman et il est Agdoumé. Le Magdi va courir Namilo Menachem. C'est vrai qu'il n'a pas été Magdim, il n'a pas non plus été Menacher, puisque le fait de l'avoir fait dans une seule action, ça s'est fait mal, torquer les livres l'un de l'autre. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas considéré qu'il a été Menacher. C'est pour ça qu'il est réel. Donc c'est le même. Donc c'est la même action, donc finalement, tu vas pas être Menacher, du ce qui a été fait avant, ce qui a été après. C'est pour ça que c'est réel. Ouais, c'est réel, donc on doit nécher l'achat. Alors maintenant, la Gemara. En fait, il n'y a pas de marque loquette, en fait. Tout le monde est d'accord que s'il a changé son CDR clair et clair. S'il a changé son CDR, il n'a pas fait sa marche avant, donc c'est pas tout. Donc là, la conquête, elle fait qu'il y en a qui disent que c'est. Non, justement, ça veut dire que. Au contraire. Là, on nous montre qu'il est. De cette bretta-là, on voit qu'il existe cette notion-là. Maintenant, après, Rava, lui, il est venu dire que c'est la marque entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda dans notre Mishnah. Okay. Il est venu dire qu'il y a une marque dans ça. Très bien. Tano Rabanan. Maintenant, un autre cas, aussi encore de Mitasek. Alors, et le Pérec va se terminer sur ça. Tano Rabanan, Achote Gechalim et Shabbat. Celui qui est Achote Gechalim. Donc, intéressant. Le type, il mélange des Gechalim avec une petite pelle, et en mélangeant les Gechalim, ça fait que ceux qui sont au-dessus, et que tu vas mettre en dessous, ils vont s'éteindre, ils vont s'éteindre un petit peu, et ceux qui vont être découverts par le fait d'avoir mis maintenant en dessous les autres, elles vont s'allumer. D'accord ? Donc il y a deux résultats, deux mélangeurs sur son action. Achote Gechalim et Shabbat, Chayav Khatat, on te dit Chayav Khatat, d'après Tanakama. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok, Chayav Shtaim, il te dit qu'il y en a deux. Deux Khatat, pas un seul. C'est pas une seule mélacha, c'est vrai que c'est une seule action, mais il y a quand même deux résultats. Lui, il est mechabé et talionot, d'accord ? Celle qui était élionot, en les mettant en dessous, il est mechabé ota. Et celle qui était tartonot, en les découvrant, il est mavarir. Donc il y a deux mélachos. Et on regarde pas ce qu'il veut faire le bonhomme ? On regarde pas ce qu'il veut faire. Il veut faire quoi lui ? Alors, effectivement, non. On avait vu. On va voir qu'il y a plusieurs étapes. Quand il rapproche. Il y a plusieurs points ici. Il y a premièrement le type qu'il est mis de Kaven. Après, il y a ça, c'est psychréché a priori. Oui, la psychréché. Non, c'est pas psychréché, c'est pas obligatoire que ça se. Ah, c'est obligé. Tu retournes les trucs, machin, il n'y a pas de choix. Non ? A priori, c'est. Quand je fais des grillades, j'y arrive pas en tout cas. C'est que moi qui suis mauvais, mais. T'as un gros tas de charbon, j'y arrive pas. Parce que quand on dit éteint, ça peut pas forcément que tu vas l'éteindre et que. Ça rabaisse le truc, c'est déjà éteint. Maintenant, après, il y a aussi un autre point, c'est que le type, c'est Melachachin Atsikha Legoufa, où tu peux aussi faire un grand carnage. Melachachin Mikas, quand même, c'est petit crèche, disons. Après, le type, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire ? Est-ce que lui, il a l'intention d'allumer ? Est-ce qu'il. Parce que normalement, pour que ce Melachachin Atsikha Legoufa, qui bouille, il faut que tu le fasses avec l'intention de récupérer les braises. Pourquoi tu t'appelles cette chaîne à Sikhalé Goufa ? Je vais voir. J'ai fait trop, mais j'ai pas besoin de. Je vous dis pour l'instant, avant d'arriver à la suite de la Gemara, qu'il y a ces notions-là qu'il faut sur lesquelles on va devoir comprendre exactement dans ce cas-là comment ça s'applique. Parce que maintenant, il faut savoir que par exemple, la chaîne à Sikhalé Goufa, Marc-Claude a vu la Rabbi Shimon.
C'est la même Marc Roquette. Marc Roquette, mais c'est aussi Rabiouda, je sais pas. D'accord. Celui qui pense pas tout dans l'un, il pense pas tout dans l'autre. Ouais, sauf que dans Kavet, c'est Moutard. C'est Moutard, alors que dans Assour, c'est Assour. On y va, regarde ce que nous dit Agmash sur ce cas-là. Donc là, il nous dit Rabbi Eliezer ben Tzadok, Khayav Shtayim ben Yeshua Mechabet, Ayanot, Mavrir, Tatatatatatat. Agmash, il va dire, comprends, de quoi on parle? C'est ta question, on y va. On parle de quoi? Il est quand même Kavan Chabot ou l'Avrir. Si lui, sa Kavana, il a une Kavana, il te dit, je suis intéressé d'être Mechabet, si mon Yann, je veux être Mechabet, c'est ça le truc que je veux faire, parce qu'en réalité, quand tu mélanges, je sais pas, des fois, quand il y a des encens, t'es intéressé à ce que ce soit Mechabet pour que ça fasse du Hachan et que le Hachan, il fasse l'odeur. Ou des trucs comme ça. En tout cas, lui, si tu dis que si tu avais la kavana des deux, et du kibouï et de la havara, maïtama demande des patas. Pourquoi y a Tanakama qui rend pas tout et qui dit qu'il n'y a qu'un seul khatat? Et là, tout le monde, on devrait être rayable. On devrait être rayable des deux. Ouais. Et là, des loka mechaven la havaya. On parle d'un cas où le type, il n'est pas mis de kavana à ma varia. Alors, maïtama demande mechayev tarté. Alors, pourquoi t'es mechayev tarté? Alors, Rabbi Yehuda Rabbi Khanan dit la gmara d'Amre Tarvayou, qui est une kavana chabot à Elionot, qui aide les havrir et tartonot. Alors là, il est lui, ce type-là, il a l'intention d'être Mechabé en réalité ta Lyonote. Ça veut dire que lui, il veut prendre les Lyonotes, il dit voilà, je veux que celle-là, elle s'éteigne. Parce que par exemple, lui, c'est un appart. Parce que moi, je vais dire tout de suite, on parle d'un appart, le type, il veut récupérer du charbon, d'accord ? Il veut récupérer des braises éteintes, d'accord ? Et donc lui, il est intéressé à les éteindre. Pour les éteindre, il va les mettre en dessous. C'est ce qu'il fait. Maintenant, quand ça va être Mavrir les Lyonotes, il n'est pas intéressé. Alors quand il va récupérer. Kevin, j'ai une cabane, les capotes avec les notes, qui est dès la vire était tartonote. Non, c'est-à-dire que lui, sa cabana était d'être méchabé les tartonotes. Et les notes. Kédé, c'est-à-dire comment on dit Kédé ici dans le sens, le type, il savait qu'elle allait entraîner ça. Il savait qu'elle allait entraîner ça. C'est pas qu'il le fait pour ça. Il n'y a pas marqué. Donc c'est un petit grécher. C'est un petit grécher. C'est-à-dire que lui, il le fait, c'est-à-dire qu'il le fait sciemment. C'est-à-dire qu'il sait très bien que ça va entraîner une adlaka des Elionotes, et Bechol va-t-il le faire? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est mavrir, bekavana, parce qu'il le sait, qu'il sait que ça va arriver, mais involontairement. Donc pour lui, c'est un kill cool ça. Pour lui, c'est pas intéressant. C'est mekalkel behavara. Mekalkel behavara, on avait dit hier, qu'il y a mekalkel behamoa, mekalkel behavara. Donc la gmara nous dit que c'est un marocain ici. On parle d'un cas où type mavrir, c'était pas sa kavana. Sa kavana, c'était mechabé. Il voulait récupérer, c'est un appart, il voulait récupérer les braises. Il voulait récupérer les cendres. Et le type, la vara, c'est pas qu'il savait pas que ça allait arriver, il savait que ça allait arriver, il le fait qu'aider. Mais le type, il. Bah, en quelque sorte, c'est un Loni Khalé. Exactement. En fait, c'est un Loni Khalé. Mais on a, c'est Mekalkel. Et comme c'est Mekalkel Bahavara, si c'était un Mekalkel classique, tout le monde aurait pensé que c'était pas son Mekalkel. Et là, c'est Mekalkel Bahavara, Mahloket. C'est ce qu'il nous dit ici, Agma. Qui mange une cabane de Khabot Elionot, qui est la vire de Tartonot, et on a commencé à voir Mekalkel Bahavara Patou. Et Rabbi El Abbé Mizadon, ça a mal. Khayav, mais quand Rabbi Yochanan, il a interprété ce marocain aussi en tout cas. Mais Kalkel Behavara. On avait parlé hier. Comme Khaboura. Khaboura et Avara. Kalkel Behavara. Comme Kalkel Ibturin, plus Marir et Khaboura. D'accord ? Maintenant, nous dit la Gemara que pour comprendre cette marocaine, pourquoi il y en a un qui est Khayav Shtaï, un qui est Khayav Echad, il faut qu'on parle d'un cas où le type il a l'intention d'être Mechabé. Et l'Avara, il a l'intention, c'est-à-dire qu'il sait que ça va arriver, mais ça le dérange. D'accord ? Donc ça le dérange, c'est Mechakel pour lui, c'est Avara. Donc là maintenant on te dit que c'est la maroquette. Est-ce que Mekalkel Bavara c'est pas tout ou c'est Khayab? D'après celui qui dit qu'on est Khayab deux fois, c'est-à-dire qu'on dit que Mekalkel Bavara c'est Khayab, et celui qui dit qu'une fois, Mekalkel Bavara c'est pas tout. Maintenant avec moi je donne une autre, et vraiment Rabbi Yochanan ben Apar Chanou, on parle d'un Apar, c'est-à-dire qu'il était intéressé de récupérer les cendres. Amar Rabbi Yochanan. C'est un ascenseur quoi. Non, Apar c'est un ascenseur. Apar c'est non, celui qui. Celui qui fait les encenses. Non, Apar c'est pas celui qui travaille le. Le métal ou truc comme ça, donc non. Non, par rapport avec les braises. Si il a besoin de braises. Non, le Napar, c'est son but à lui, c'est de récupérer les cendres. Les braises éteintes, quoi. Les braises éteintes. Alors maintenant, ce que dit Agmara ici. Rabbi Yochanan, al-Kanonigal, tata amal shel alachaz. Rabbi Yochanan, c'est une mâche magnifique. Ce pshata dans cette marloquette là, on le connaissait pas jusqu'à maintenant, donc il a été méchabéar. Le pshat là, de dire que c'est un très bon pshat, de dire que la marque est dans ça. Alors, Ami Barabin, Rabbi Chanina Barabin, Damri Tarvayou, les deux disent, ils l'interprètent différemment, Kegon, Chinit Kaven, les Chabot ou les Avrir, lui il a l'intention de faire les deux. Alors, on a dit, si il a l'intention de faire les deux, c'est pas chou que tu devrais être Khayav Pamaï. Alors, pourquoi Tanakama il dit que tu es Khayav qu'une seule fois? Et Tanakama Savara qui est Rabbi aussi. Alors là, il y a une fameuse marque entre les deux. Rabbi aussi, on sait qu'Avara, c'est un lave particulier.
Pourquoi? Parce que Avara, il y a marqué que la Torah t'a dit l'autre assez comme Melacha, elle t'a dit l'autre va à Rouesh. Pourquoi la Torah t'a sorti de Avara alors qu'elle t'a dit de ne pas faire de Melachot? Alors là, il y a deux explications, soit les Lav Yatsa, soit les Khalak Yatsa. Ça, c'est pour dire que Avara, c'est pas comme les autres 39 les autres Melachot. Les autres Melachot, c'est Khayav Mita. Tandis que Avara, il n'y a pas de Khifratat dessus. Il n'y a pas de Khifratat dessus. C'est les Lav Yatsa. Il nous dit la Gemara, c'est en fait ça qu'il pense Tanakama. Je pense que sur Avara, il n'y a pas de Korban. C'est vrai que Khayav pour Khalatéral. Donc c'est pas un argument. Hein? Donc c'est pas un argument. Donc c'est pas un argument. Non, donc t'as pas besoin de passer par le. Donc il n'y a pas de Khayav. T'as pas besoin de passer par le Mekalkel d'Avara. En réalité, le type ici, lui, c'est la Melacha de Mavir. Il considère qu'il n'y a pas de Khifratat dessus. Tandis que l'autre, il considère que Avara, les Khalek, Yatta. Et je crois que les Khalek, c'est pour te dire que de la même façon que l'Avara, c'est un truc indépendant. Pareil, chacune des 39 travaux et un truc indépendant. Donc si tu fais 39 travaux, toi, je sais pas, tu fais 39 mais la fois, 39 est oublié. Et là, comment ça va avec Rabbi aussi, Amar Avara la Viatta, Rabbi la Babi Zadok Savara qui Rabbi Natan, Amar Avara le Khalekata. C'est la réponse. Yohan. Rava. Yohan. Yohan, je viens de chercher 8 Erika. Hein? Ouais, c'est bon. T'as une place chez David? Ok, comme tu veux. Ok. Je vais seul. Si, je vais seul. Alors j'ai un 8h30 si tu veux. Ça m'arrange. Pourquoi tu passes pas? Parce que c'est l'heure. C'est à 10h30. Moi j'ai pas envie de courir sur les trans ou pas de ça. Si je vais seul, je vais avec toi. Ouais, c'est pas grave, je préfère arriver en vie. Alors. Rava Amar, les Agdim. Donc Rava lui te dit que la marquette ici, elle est l'Agdim. Donc elle continue. La même marquette tout à l'heure, c'est que lui voulait faire dans un certain sens, il l'a fait dans l'autre sens, c'est Kabilaï. Rava Shiamar, qui continue Kabel, les Chabot, Uveru Melen. Lui, en réalité, avait l'intention de Mechabé, et ça a été Uveru Melen, et la marquette, elle est quoi dans la marche de Mechabé? Vetanakama Savar, qui Rabbi Shimon Damar, Mechabé. On l'a vu ce cas de. Il a rapproché, pour en fait, en quelque sorte, augmenter la chaleur. Et ça c'est Mechabé en bas, on avait dit que c'était bon d'après Rabbi Shimon. Alors on te dit ici que c'est ça la marque entre Tanakama et... C'est comme la Rabbi Shimon, 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 c'est quoi? C'est de savoir, est-ce que dans ce cas-là, quand il n'est pas mis de Kamen, il n'est pas tout ou il est Khayav? Alors tu vas me dire ici c'est petit cliché, alors après on s'est posé la question. Non, j'ai vu, alors, c'est pas forcément petit cliché. Ici le lien c'est que c'est un... C'est. De toute façon, il rentre ici et petit cliché et Davashon Kaven et Melachashin Yatskal une fois. Parce que normalement, il dit que. Il faut voir. J'ai pas entendu bien que ça se passe, mais il rentre cette problématique là. Il te dit ici, la Gemara te dit donc, Vetanakama, ça va avec Rabbi Shimon, Damar, Davashon Kaven, pas tout. Rabbi Yabou, ça va avec Rabbi Yehuda, Damar, Davashon Kaven, Khayar. Alors la Gemara termine comme ça, Tanoura Banan. Achote Gechalim Beshabbat, celui qui est Achote Gechalim Beshabbat, l'Itramem Bahem pour se réchauffer, Véouverou Menem, donc on a allumé d'autres, alors Marlo Ketane Chada Chayav, il a pas tout. Alors là, on m'a dit, Altane Chayav, celui qui pense que Chayav, Kassava Menachash Nitzchalikouf à Chayav, parce que le type n'avait pas attention de faire ça. Chayav sur le Mechabé. Chayav sur le Mechabé. Sur le Ouverou Menem, sur le Ouverou Menem. Sur le Ouverou Menem, c'était Ouverou Menem. Le côté de Gechalim, c'est qu'en fait, il s'est rapproché. Le côté de Gechalim, c'est qu'il a mélangé les graines. Mais le cas d'abord que je connais, c'est qu'il a rapproché parce qu'il avait d'autres jouets. Ah voilà, là, il a été crotté. Il a pris avec une pelle, il a ramassé des brefs. Il était crotté de Gechalim avec une pelle, il a ramassé des brefs. Il les a mis où à côté de lui? Alors, dans le cas d'avant, il a pas été crotté pour être navire. Il a été crotté pour les ramener vers lui. Pour les prendre celles dans le sous qui étaient plus chaudes, il les a mis au-dessus de lui, mais il voulait pas être navire le. Exactement. Le type là, celui-là, il n'avait pas besoin d'être de la Avara, il avait besoin juste d'être mitra même en étant crotté. Maintenant, dans ce cas-là, on te dit que il y en a un qui te dit besoin de Khayav. On va te dire que la marloquette, elle est-ce que Melachash Nitzra Goufa Khayav ou pas tout. Celui qui dit que c'est Khayav, Kassala Melachash Nitzra Goufa Khayav Alea. Bah, t'en as pas tout, Kassala Melachash Nitzra Goufa, pas tout, Alea. Ça fait Akhachel. Viens, il y a Mishnah. Maintenant, là, on va faire le Issour d'âme. On va avoir pendant quelques lapim. Le Issour d'âme, après on va revenir sur Hachem Tabou. Alors, Achal Dam, donc c'est tout l'union de Issour d'âme, donc c'est le Dam qui est Bekaret, et c'est pas n'importe quel Dam qui est Bekaret, on va voir c'est lequel Dam qui est Bekaret. Alors, on peut même dire le mot Achal, c'est Perek Dam Shrita. Dam Shrita, Babehema, Bechaya ou Baof, le Dam Shrita, il est considéré comme étant du Dam qui est interdit, que ce soit du Dam de Chaya, de Of, de Behema, il n'y a pas de différence, Bent Me'im, Bent Orim, que ce soit Dam. Qui n'est pas un dame de Shrita, c'est un dame de Nechira. C'est-à-dire que le type n'a pas fait une Shrita, il a juste
Nechila, c'est-à-dire qu'il lui a arraché, pas, il lui a arraché une âme, il a tué à la main comme ça, à l'arrache pendant Shrita. Ouais. Son sang aussi, c'est un sang sur lequel il y a un Khiv Karet. Dame Aïko, pareil, s'il lui a arraché le Shimanim à la main, c'est aussi Khayab. Dame Akada, s'il lui fait prise de sang. Le Khidouch, il est que même si elle n'est pas morte, la bête, Shaneshama Yotzelbo, si c'est du sang que. Qui s'appelle du Dame Shaneshama Yotzelbo, pas donc Shaneshama est sorti puisqu'elle est encore vivante, mais c'est du Dame Shaneshama Yotzelbo. Khayavina Alav. Pareil, on voit que même dans Dame Shrita et dans tous les autres Damim, tout le Dame sur lequel on est Khayav, c'est Dame Shaneshama Yotzelbo. C'est lequel Dame Shaneshama Yotzelbo? Moi, on peut parler de ça. Mais a priori, le Dame Shaneshama Yotzelbo, c'est le Dame qui met Kaleach. Lui qui est gicle. Lui qui est gicle au départ. Parce que comment ça se passe, la Gma va expliquer? C'est qu'en réalité, au départ, ça coule un petit peu, après ça gicle fort, et après ça recoule un petit peu. Alors il y en a qui disent que c'est que le champ qui gicle qui est le Dame Nefesh. Il y en a qui disent que c'est le tout début, avant que ça commence à gicler, quand ça coule un petit peu, et à la fin aussi. C'est sûr que le Dame qu'on mangerait aujourd'hui, sur quelque chose, sur le Dame qui reste du. C'est pas Khayav Karet, c'est que Bélav. C'est Bélav. Maintenant on te dit. Donc le Dame Shrita qu'on parle, c'est le Dame qui gicle. Maintenant, Dame à troll, le Dame du troll. C'est quoi le troll, c'est moyen en français? C'est quoi le moyen en français? Le troll? Le troll, c'est le. La rade, le pi. Non, non, non. Le crawl, c'est le pi. Pas le crawl, le troll. Troll. C'est la rage. Dame à lèvres, le Dame du. J'ai même trois, si vous voulez. Dame Betsim, Dame Kragavim. Et Dame Tamsit. Et le sang, Dame à Tamsit, Dame à Tamsit, c'est quoi Dame à Tamsit? Dame Tamsit, c'est le dernier sang de la bête avant que. C'est-à-dire que quand le sang coule, à la fin, le dernier, c'est Dame-Tamsit. Dame Khagavim, c'est du sang d'insecte. En-Khagavim, sur celui-là, En-Khagavim. Attends, le Khagavim, c'est l'insecte cachère, entre guillemets, ou les sauterelles, ou ouais, c'est ça, les celles qu'on peut manger ou celles qu'on peut pas manger. Alors, nous, on a vu au départ Ben-Temim, Ben-Teori, mais entre le Khagavim, est-ce qu'il y aurait cette différence-là? Je pense que c'est la même chose. Ben-Temim, Ben-Teori. Maintenant, on te dit ici, Dame-Tamsit, En-Khagavim, Alav aussi. C'est juste un lave, il n'y a pas de triou. De Corban, Rabbi Yudam et Chayav, Bédam Tamsit, Rabbi Yudam est rendu d'accord, il considère qu'on est Chayav ou un Dame à Tamsit. D'accord, un petit peu de temps, 5 minutes ou... Non, j'ai... Ok, on va être là.